Chicos y chicas, hoy en este video tutorial vamos a ver cómo crear una cuenta Dropbox y cómo compartir archivos pesados a través de Internet. On va commencer. La première chose pour pouvoir créer votre compte Dropbox, c'est d'avoir une compte mail différente à celle du collège. Pour cela, je vous conseille de créer un compte Gmail. Je ne sais pas si vous en avez déjà un compte comme ça, peut-être oui, mais sinon, c'est très facile. Vous cliquez sur votre barre de recherche Gmail et vous cliquez ici, pour que ce soit plus facile, je peux le créer gmail.fr pour que tout apparaisse en français. Vous cliquez la première et vous marquez sur « Créer un compte » ici à droite. Une fois que vous créez votre compte Gmail, il vous demandera nom, prénom et votre nom d'utilisateur. Ici, il va falloir chercher un compte que personne n'utilise. Je vous conseille de commencer par votre nom et prénom ou prénom et nom et après écrire des chiffres pour se différencier des autres, peut-être des chiffres de votre année de naissance ou d'autres. Vous devez après écrire un mot de passe, confirmer, et comme ça sera fait votre compte Gmail. Une fois que vous avez créé votre compte Gmail, nous allons créer notre compte Dropbox. De la même manière, vous ouvrez votre barre de recherche, et vous cliquez sur Dropbox. Encore une fois, je marque en français pour que ça soit tout écrit en français, mais vous n'aurez pas besoin. Et vous cliquez sur la première page que vous allez voir, dropbox.com.fr. Vous allez tomber sur cette page et vous devez vous inscrire. Vous inscrire, vous cliquez votre prénom, votre nom et vous cliquez l'adresse mail Gmail que vous venez de créer. Ensuite, vous écrivez un mot de passe qui soit aussi facile pour s'en souvenir. Je vous conseille d'écrire le même mot de passe que votre adresse mail Gmail que vous venez de créer. Vous acceptez les conditions d'utilisation et vous cliquez sur s'inscrire. Ensuite, il va vous demander plusieurs options. Je vais vous guider pour cliquer les options qu'il faut pour créer un compte gratuit. Puisque si vous cliquez sur d'autres options, peut-être vous allez créer un compte qui soit payant et vous n'arriverez pas. Notre but, c'est d'avoir un compte gratuit. Et d'ailleurs, avec 2 gigas d'espace, c'est largement suffisant pour nous partager des documents. Puisque 2 gigas, c'est quand même l'espace qu'un film de 2 heures a besoin pour exister. Donc avec 2 gigas, on peut se partager énormément de choses. À la première question, comment souhaitez-vous utiliser Dropbox? Il faut cliquer seul. Ensuite, vous aurez besoin de plus de 2 gigas. On dit que pas maintenant. Et après, aurez-vous besoin de présenter vos fichiers de manière personnalisée et savoir qui a interagi avec eux? Vous dites non, ce n'est pas la peine. De cette façon, il va vous créer cette compte, la compte basique, avec 2 gigas d'espace, synchronisation, dossier lien et Dropbox Paper. On va dire essayer gratuitement. Pour pouvoir commencer, il faut télécharger Dropbox. Vous cliquez sur télécharger. Et dans ce cas-là, il vous demande de exécuter ou enregistrer un archive. Vous le donnez, vous voyez ici en haut la flèche, comme on l'a déjà faite. Il a déjà téléchargé, vous cliquez encore une fois et vous appuyez sur exécuter pour pouvoir télécharger correctement Dropbox. Vous cliquez sur oui puisque vous autorisez cette application installée sur l'ordinateur. Et là, on le laisse installer.
Une fois que Dropbox est installé, maintenant nous devons vérifier et confirmer notre adresse Dropbox qui nous a envoyé un mail dans notre boîte Gmail qu'on a créé auparavant ou qu'on avait déjà. C'est pour cela que j'ouvre un nouvel onglet. J'accède à mon compte Gmail. J'écris Gmail sur Google. Clique sur la première page qui apparaît. Et là, il apparaît le mail que Dropbox a envoyé sur ma boîte pour que je valide le compte. C'est pour cela que vous devez cliquer sur celui-là, valider votre adresse email avec Dropbox. Vous cliquez. Et ils vous disent que bonjour, pour finaliser votre inscription, nous n'avons plus que valider l'adresse mail de votre compte. Vous marquez sur valider votre adresse mail. Voilà que votre Dropbox est complètement actif maintenant. Voilà, votre adresse email est maintenant activée. Merci. Ça, c'est votre espace Dropbox. Ici, si vous voyez à droite, vous pouvez créer un fichier avant de le partager. Ou il vous donne aussi la possibilité de transférer des fichiers ou les dossiers. Aussi, créer un nouveau dossier de partager avec d'autres personnes. Ou l'autre personne pourra rentrer des documents dans ces dossiers que vous venez de créer. Ou tout simplement créer un nouveau dossier ou afficher les fichiers que vous avez supprimés par erreur. Comment j'ai introduit la vidéo que j'ai enregistrée dans cet espace avant de la partager avec les professeurs? Très simple. Vous allez minimiser un peu votre navigateur et vous avez ici, sur le bureau, par exemple la vidéo que vous voulez me partager. Dans ce cas-là, j'ai mis une toute simple, c'est la présentation Clickers qu'on a déjà vu en cours. Vous la cliquez avec le bouton gauche, vous la laissez appuyer, vous laissez appuyer sur le clic et vous l'amenez carrément et le déplacez ici. Vous lâchez la souris et vous allez voir comment en bas, ici, c'est écrit transfert de présentation Clickers. Puisqu'il est en train de transférer, voilà, il est là. Transfert de présentation Clickers. Il y a quelques secondes, il est en train de stocker cette information sur le cloud. 3 secondes. Voilà. L'information est déjà sur le cloud. Vous voyez ici, ça sera votre vidéo. Présentation Clickers ou un autre. Une fois que vous avez posté cette vidéo sur Internet, vous allez le partager avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Pour faire ça, vous le laissez cliquer, vous le marquez, vous voyez qu'on peut marquer plusieurs, hein? Vous marquez celle que vous voulez partager, et ici à droite, c'est marqué « Partager ». Vous cliquez sur « Partager », et là, vous allez introduire mon adresse mail. Je vous écris comme ça. Ça, c'est l'adresse mail que vous devez utiliser pour m'envoyer les mails que je vous avais donné déjà au début de cours, hein, au début de l'année. josemanuelmartinlupiañez@gmail.com. Et vous cliquez après sur partager. De cette façon, je viens de recevoir un mail avec votre partage. Comment on va le vérifier? Très facile. Je retourne sur mon compte Gmail et je trouverai ça. Je trouverai un mail de votre part en me disant que vous venez de partager un document. Si je clique sur mon mail, je l'ouvre. Je trouverai ici les liens directs à votre archive pour pouvoir l'afficher ou le télécharger. Voilà comment vous pouvez partager des documents lourds que vous pouvez envoyer par mail à n'importe quelle personne.
N'oubliez pas de bien créer votre compte Gmail, vérifier votre compte Dropbox à travers votre compte Gmail, et après, tout simplement, c'est glisser l'archive sur votre espace Dropbox. Muchas gracias, chicos y chicas, y espero que os haya servido de mucho. Nos vemos. Un abrazo.